Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec nous. Donc, je vais revenir sur Luna. Donc, Luna, on a eu ici ce TATH ici. Effectué en 27 décembre. Un retracement en 3 temps. Une accumulation un peu spécifique. On est passé en zone discount et on est reparti en zone premium. On a fait un ATH. Donc, une petite prise de liquidité ici. Un petit retracement et un ATH effectué dernièrement le 5 avril. J'avais annoncé qu'il y avait une correction, bien sûr, en vue pour aller faire la correction de l'UT. Donc, BC, UA, UT noir. Ok, pour aller chercher ici ensuite vers le haut, pour aller faire l'autre sommet, un petit potentiel, bien sûr, dernier ATH. Donc, là, on avait un BC, un saut, un UT, une belle petite purge ici, effectuée en deux temps. Donc, un temps, deux temps. Ensuite, un retracement, on est passé sous le saut ici, un beau retracement jusqu'au 75$. Ok, donc pour moi la zone était intéressante, c'était les 82 ici. Mais il est parti chercher un gros excès ici en faisant ici une accumulation, en faisant un SC, pour l'instant un STB avec une grosse réaction haussière. Donc là j'ai une grosse réaction haussière. Donc SC, STB, on constate bien que cette réaction est beaucoup plus grande que toutes les autres au niveau de l'amplitude. Donc si on compare l'amplitude, c'est très simple. On prend ce niveau-là, hop, on fait ça, par exemple. Et si on compare ça, ce mouvement à ce mouvement, ben on constate qu'il n'y a pas photo. Et ce mouvement avec ce mouvement, on constate qu'il n'y a pas photo. Donc là, l'accélération, regardez, elle dépasse même ce mouvement-là. C'est une augmentation de 11%. Ici, donc une belle attention haussière qui a pris l'argent de tous ces niveaux-là. On a pris, fait prix 75 à pratiquement 10$ en une journée, voire une demi-journée même, à partir de 9h, 7h, on va dire à 7h le 18. Et là, déjà, il a pris 10$ à 16h, donc on va dire à 9h de temps. Il nous a fait une belle petite hausse, Luna, avec une belle réaction haussière. Voilà, personnellement, ce que je vois sur Luna, en ce qui concerne le retracement. Sur ce plus bas et ce plus haut, on est passé en zone discount. Donc la ligne des 50 est ici. Donc le prix fait quoi? Il est venu sous la zone des 50. Et derrière, hop, il est reparti tout de suite au-dessus de la ligne des 50. Le 61.8, il est ici. Donc voilà en ce qui concerne ce. Si on monte un peu ce niveau-là, si on va chercher, hop, ce dernier plus bas. Donc celui-ci. On serait pile poil au 61.8. Donc on serait en zone discount plus 61.8. Donc grosse réaction haussière sur un niveau déterminant au niveau Fibonacci et au niveau technique. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Petit retour sur Luna, histoire de faire la mise à jour et d'être toujours à jour sur cet actif. Force à vous tous. Ciao, ciao.